Salut à tous et bienvenue pour la suite de Assassin's Creed Unity. On continue l'aventure, les amis. Bon, c'est de la merde. On y va. Bon, on va aller continuer la mission principale. Let's go! Bonjour, madame. Thank you.
Ouais. C'est parti. Let's go. Sur ta bourse et tout ira bien. De Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats enfin pris au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Marquis de Sade, Donatien. Thank you.
ok. Et lui, ça fait moins. Ça t'inquiète pas? Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées? Celles que Sagrasse a installées quand il a pris le pouvoir sur terre. Monsieur Latouche, toujours en train de prodiguer ses soins aux affligés? Ton jour viendra, Libertin. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Viens là si tu en as le courage. Va-t'en d'ici. Tu comprends ce que je te dis? Ok. Je te connais. Qu'il a fait à Thierry? Ah, je me souviens de ces hurlements. Ils en finissaient plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pense pas. C'est vrai? Ah, je pouvais pas faire ça. Pardon. Ça t'inquiète pas. Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées? Celles que Sagrasse a installées quand il a pris le pouvoir. Il y a de pourtant l'air civilisé. Monsieur, tu n'as rien à craindre. Monsieur Latouche, toujours en train de prodiguer. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. On va voir après. Je te connais. Oh.
n'en finissait plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un 1 dans le registre. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner, alors. Voilà, voilà. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. Ils veulent juste que je lance des pétards. Voilà, voilà, c'est des pétards. Ah, il faut que ça. Eh bien, ça va. Ah! Quelle est la consigne? Alors, brûler dans un incendie imbécile sa famille, il lui a fait perdre la tête. Un incendie? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier? Utilise un peu d'huile de vitriol. Que penserait ton maître? Mon Dieu, des... Ah non, c'est pas ici de toute façon.
Les derniers hommes que j'ai croisés... Allez, vous autres! Devrait les faire sortir de leur trou. Faites place! Quelqu'un fait des gants! Lâchez-moi, place aux actes! Vous serez bientôt plus des obstacles! Abri de la justice! Il va se faire mal. C'est mon train. Je vais t'arrêter à l'entrée de ton bâton. Continue à te passer. César, j'aurais bien vu. Celle-là. Allez. Tiens. Toi, tu fais rien, toi. Je vais pas faire ça. Donc j'accède à un... Oh,
Ah. Que s'est-il passé? Les mendiants, ils se soulèvent dans tout le quartier. Vous autres, venez avec moi. Devient serpent. Diantre, je savais que ce n'était qu'une question de temps, mais cela est bien trop tôt. Oh, oui, votre grâce. Les assassins sont bien renseignés. Mais c'est nous qui avons l'avantage, n'est-ce pas? Rassemble la garde et donne la chasse à cet assassin. Rapporte-moi sa tête. Mais, votre grâce, la moitié de nos hommes est aux prises avec les mendiants en révolte. Ouais. Tenez vos positions. Sur toi. Fumez tes derniers instants, sale lâche.
Mais encore ces pauvres petits couteaux. Ne vous pressez pas. Laissez-le s'épuiser. Prends garde à toi, assassin. Et putain. Ravi de te voir, assassin. Serais-tu moins malin que tu ne le penses? Non. Il ne reste plus que nous deux, assassin. Allez, mes gens, oh! Ben voilà! Mais c'est n'importe quoi, le mec! Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? L'apprenti de Bélier m'a apporté le plus merveilleux des présents. J'espère que tu... Et que voilà, putain. Mes sujets ont des yeux partout, monseigneur. Tout ce qu'ils voient, je le mets au service de l'ordre. Et que pourrait nous apprendre un roi des égouts? Les intrigues des rats? Qui peut disposer? Les intrigues des rats? Jamais je mets la main sur lui. Mon maître serait ravi d'arranger ça. Mon frère. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Silver, il faut partir. C'est fait. De la serre est mort. Grand maître. Bien. Voilà. Je sais pas viser. Fusain. Oh fuck you.
trouver quelqu'un là-dedans. Voilà. Nickel Chrome. Qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des thunes. Puisque la place semblait vacante, je l'ai prise. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte? Nous nous sommes servis l'un de l'autre. Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les morts sont vengés? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges me barre la route. Oh, une conspiration, une intrigue, un complot qui s'épaissit à vue d'œil. Il ne manque qu'un brin de bestialité et un prélat lubrique pour tenir le début d'un magnifique roman. Je préférerais une piste solide. Si jeune. Et déjà si sérieux. Eh bien, bonne chance à toi. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Où avez-vous trouvé ça? L'un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, s'il en est. Oh, un objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi n'avoir rien dit? Où en serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions? Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent? Aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? Où se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Bonne chance. Ouais. La cour des miracles. Bon bah, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé l'épisode et au revoir. Tata.